Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en format vlog. Aujourd'hui, je voulais en faire un. On est dimanche, d'accord? Il est quelle heure? Il est 13h53, bientôt 14h. Je suis dans un dilemme là, clairement. Je suis dans un dilemme parce que je voulais faire un truc à manger, mais y a rien. Quand je dis rien, c'est qu'il y a vraiment rien. J'ai pas pu faire les courses, j'avais pas le temps de faire les courses. Et là, dans le frigo, je l'ouvre et y a rien. S'il reste du pain. Du pain qui est très très dur, on dirait plus une arme qu'autre chose. Donc on va se faire du pain perdu avec ça, hein. On va se faire un cheat, on va se faire un cheat, on va se faire un petit déj cheat, parce que oui, enfin j'ai petit déj, mais je me suis réveillé à 10h, j'ai toujours pas mangé, j'ai rien pris, j'ai bossé sur quelques projets vidéo et quelques projets que j'ai avec des clients en vidéo sans prendre de petit déj parce qu'il y avait rien. Et aujourd'hui, on va faire du pain perdu! Pas le choix. Là, tu vois, là, je te fais un vlog, il n'y a rien qui est prévu. Rien. Je me suis fait, j'ai faim, j'ai pas d'idée. Je prends ma caméra, genre des conneries, je vais faire un truc à manger. Il n'y a pas le choix. Parce que, ouais, aujourd'hui, je voulais aller à la salle. D'accord? Je voulais aller à la salle faire soit un leg day, ou sinon, je fais un entraînement muscle up. D'accord? Et je sais pas quoi faire, ok? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de muscle up. Je sais que je peux encore faire des muscle up malgré ma prise de poids. J'ai dû prendre 5 kilos dû à ma reprise du sport. Et ma reprise de manger aussi, hein. Mais je sais pas. Peut-être qu'on va faire des muscle up. On va prendre un œuf ou deux? Deux. Deux, c'est bien deux. Ouais, deux. Là, on est dimanche. Dimanche, tout est permis. D'accord? Faut pas me dire, ouais, dame, c'est la diète. D'accord? Dimanche, on fait les choses bien, les gars. Là, c'est bon. Il pleut dehors. En plus, quand il pleut, faut faire les choses encore mieux. D'accord? Donc là, on va se faire pain perdu, confiture de fraises. Ok? À la dame. Je vais te dire comment je fais le pain perdu à la confiture de fraises. Déjà, faut la confiture de fraises. Important. Bon, la marque, voilà, c'est Lidl, hein. Confiture de fraises, déjà. Deuxième des choses, du lait. Des œufs, du pain dur, ouais. Enfin, plus le pain est dur, plus le pain est rassis, mieux c'est apparemment pour le pain perdu. Je sais que de base, pour faire du pain perdu, je prends tu vois, le pain en tranche, hein, le pain mis en tranche, je prends ça, c'est bon. Mais là, on a du pain rassis, donc on va prendre ça. Il faut aussi un peu de farine. À savoir une chose, dans la vraie recette du pain perdu, normalement, c'est des œufs et du lait. Moi j'aime bien mettre de la farine parce que ça donne une texture, tu vois. Ça donne une touche de je mange un truc gras et j'aime bien. Ok? Donc on va faire ça. Bon, j'ai pris un peu de sucre vanillé aussi pour donner un petit goût cool, tu vois. C'est important. Ok? Faut faire les choses bien, les mecs. Bon, je vais m'asseoir, prendre mon assiette, je vais tout casser dedans, remuer tranquillement, faire tremper les pains et c'est parti. Par contre, moi faut savoir un truc. Dans les recettes comme ça, j'ai pas de grammage. Tout est dans la tête. D'accord? Ça veut dire que mes œufs, je les casse, je mets un peu de farine, un peu de lait. Et ça a la texture que je sais. En revanche, si j'ai 100 likes sur cette vidéo et que voilà, la recette de pain perdu elle plaît, ben je ferai une vidéo spéciale, d'accord? Je mettrai un tablier et on va faire une vidéo recette. Mais là je te garantis rien parce que là, je te parle comme ça. Mais si je le fais et c'est raté, bah, c'est terminé, hein, là. Je vais quand même montrer, je m'en fous. Aujourd'hui, on est en live. Dimanche, on s'en fout aujourd'hui. Dimanche, tout est permis. Prendre un couteau et c'est parti. Bon, la préparation elle est prête, il y a un peu de grumeaux et tout, mais c'est n'importe quoi, mais normalement ça va être bon, ok? Je vais prendre le pain, je vais le couper, et puis c'est parti, hein. On va voir si c'est bon. Bon, désolé, je mets par la fenêtre parce que j'ai besoin de lumière. Alors,
J'ai pris le pain et je l'ai coupé en deux, d'accord? Ça va me faire 4 morceaux normalement, comme ça. Je vais voir si je vais en manger 4 ou juste 2. Ok? Je le coupe en deux de cette manière-là, histoire d'être bien. Et juste après ça, ben, je vais prendre le pain et je vais le mettre dedans. Ok? Je le mets dedans et j'appuie un peu, histoire que ça s'imprègne bien. Ok? Parce que le pain, il est sec, le pain, il est rassis. Donc, il doit être bien imbibé pour que ça soit bon après. Bah oui, clairement. Je vais retourner un peu. Mettre du beurre sur la poêle et c'est parti. Et t'as bien entendu, du beurre. On va pas prendre du truc de l'huile de coco. Non, on va prendre du beurre. Le beurre est en train de fondre. Je vais allumer la lumière quand même. Parce que là, si on ne voit pas, c'est compliqué. Le beurre est en train de fondre tranquillement sur la poêle. Et je vais attendre qu'il ait les petites couleurs cool. Et après, on va mettre le pain sur le feu directement. Tu sais, moi je suis pas quelqu'un qui ment, d'accord? J'ai toujours dit, quand je fais à manger, quand je mange, je me fais plaisir, ok? En musculation, il y en a qui vous mentent sur YouTube et tout, il y en a, ils sont là tous les jours, c'est la guerre. Tous les jours, c'est riz poulet, c'est no pain, no gain, c'est pas comme ça, d'accord? Il y en a, ils mentent. Moi, je monte tout. Je me fais plaisir et je mange clean parfois, d'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, tu vas pas tenir en musculation. Si tu fais toujours du no pain, no gain, toujours tu manges treat et tout, tu vas pas tenir, tu vas être énervé. Et après, tu vas sombrer dans les cheat meals. Bon, là, faut que tu mettes le pain, là, c'est parti. Là, c'est incroyable. Ça nage dans le gras comme jamais. Je vais renommer ma chaîne YouTube en Dams Cooking. C'est parti. On va faire que des trucs gras, que des cheat meals, Dams Gourmet. On y va. Mais j'espère que ça va être bon, hein, parce que si c'est pas bon, là c'est terminé les mecs. Si c'est pas bon, c'est déjà, je montre que ce que ce soit bien ou pas, je montre, je m'en fous. Ah non les mecs, ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon. C'est une bonne couleur, c'est une bonne tête. Ça a l'air très très bon. Tu vois ça sauve du pain rassis. T'as du pain dans le frigo qui dort, pas de problème. Fais du pain perdu. Alors là les mecs, si je fais pas des muscle up avec ça. Si je fais pas des muscle up avec ça, c'est qu'il y a un problème. Et comme je l'ai dit, le pain perdu, tu sauves la nourriture avec ça. Tu sauves du pain. Tu prends du pain rassis, du pain au frigo qui dort. Et tu te fais des pains perdus. On va prendre ça avec la confiture de fraises. Tu vois, on va pas faire les mythos. On va se mettre un épisode de One Piece, chauffer un chocolat chaud. Et c'est parti. See the money, ayy. Now I'm popping, ooh, they looking at me funny, ayy. I was in the rain, waiting for these sunny days. Made it through, you can tell me I don't love this, ayy. I'm away to that show, told them pipe down, I don't need no hoes. I've been out with my bros, even back then I knew I'd grow. Now I'm knocking down these doors, they ain't keeping up when I switch these flows. They don't want no smoke, can't get hot, I can piss so low. I've been trying to get it, told them I'ma run it up. Out on ice, so I told them go and fill my cup. Tyson, but back then they never showed me love. They been hating since day one, dog, you looking sus. Now they switching sides, I can't mess with y'all. I could tell they ain't real, I can't get involved. Ooh, I seen them now, and they tryna call. Ooh, the summer's mine, but they tryna watch me fall. Yeah, I'm shining bright, got me feeling like I'm next, like I'm feeling like I'm Curry, how I'm ballin' on the West, whoa. If you told me back then, ooh, I never would've guessed, so. Got me feeling like I'm next, though. Feeling like I'm Curry, how I'm ballin' on the West, whoa. If you told me back then, ooh, I never would've guessed, so. Now the way I'm winning, I might have to cut the net, ho. 2 jours se sont passés après la tentative de vlog que tu as vue. Oui, c'est une tentative de vlog. J'essaie de vlogger. Je me suis réveillé, je me suis fait, bon, on va faire un petit vlog sur la chaîne YouTube. J'ai toujours voulu faire du vlog. Eh hey, mais c'est dur les mecs, c'est dur de faire un vlog. Je me suis fait bon, je vais vlogger, je vais aller à la salle, je rentre, je continue et tout. Non, c'est pas possible. J'avais un appel et tout pour la vidéo, pour du travail. Comme tu connais, c'est mon taf la vidéo. Il y avait des choses à faire, c'était compliqué les mecs. Donc, on va poursuivre le vlog ici, hein. Ce sera la fin du vlog ici, clairement. Alors juste après le petit déj qui était très copieux, très bon et délicieux, je suis parti à la salle pour faire des muscle up, faire un entraînement muscle up. Parce que voilà, on était dimanche.
tranquillement et je me suis fait, voilà, on va faire des muscle-up, on sera bien, ok? En muscle-up. Et franchement, je suis fier de moi. J'ai réussi à faire des muscle-up, je me suis fait, franchement, avec mon poids, je pensais pas placer au moins plus de 5 muscle-up, clairement. Bon, je voulais en faire 10, d'accord? Objectif 10, mais il me semble que j'ai dû en faire 5 ou 6 max. Mais au moins, je sais le faire. Et le muscle-up, très important de dire, le muscle-up est un mouvement où une fois que tu l'as acquis, une fois que tu connais la technique, tu vas toujours pouvoir le faire, toujours le réussir, d'accord? Si tu réussis pas, c'est juste que voilà, tu as pris un peu trop de poids et gérer ton nouveau poids, c'est compliqué. Mais le muscle-up, c'est une question de technique, une question de force. C'est pour ça que avant de faire mon muscle-up, ben, je me suis bien échauffé au niveau des épaules et j'ai fait aussi un exercice qui est important. L'exercice pour passer la muscle-up, tu vois, de transition, j'ai fait des dips où je suis resté 2 secondes en bas et j'essaie de monter avec de la force, tu vois. J'essaie de serrer fort et monter vraiment fort, comme si je faisais un muscle-up. J'ai fait cet exercice-là, j'ai dû faire 3 ou 4 séries de 8 répétitions et franchement, ça m'a bien aidé, ça m'a bien chauffé pour le muscle-up et j'étais bien. J'ai dû faire un peu de traction aussi pour bien m'échauffer, pour bien me préparer dans le bain parce que voilà. Faire un peu de traction avant de faire des muscle-up. Les muscle-up, c'est un mouvement où tu peux te blesser, tu peux te fatiguer si tu t'échauffes pas. Donc voilà, échauffement de base, bien sûr, coude, articulation, poignet, tout, traction et muscle-up. Juste après mes muscle-up, après mes séries de muscle-up, j'ai fait un exercice qui est intéressant. En fait, ça, c'est un exercice seulement si t'es avancé en muscle-up, tu peux le faire. C'est un exercice qui va plus m'aider à enchaîner des muscle-up et en faire plein, d'accord, à bosser ma force. C'est un exercice où je commence au sol, je saute sur la barre, je passe une muscle-up et je reviens au sol. Tu vois? J'essaye de faire 5 ou 6 répétitions. Il me semble que j'en ai fait 5. Ouais, il me semble que j'ai fait 5 séries, après j'étais trop fatigué. Et j'ai dû faire ça 4 fois cet exercice, histoire de bien taffer ma force et plus tard enchaîner plein de muscle-up. Je sais que j'ai dû faire 2 vidéos pour apprendre à faire le muscle-up. Je peux en refaire en donnant plus de techniques, plus d'astuces. Parce que c'était mes vidéos d'avant, d'accord? Où j'étais pas à l'aise quand je parlais en vidéo. Maintenant, si tu veux une vidéo pour apprendre à faire le muscle-up d'actualité, je peux te la faire, d'accord? Je vais certainement redire des choses que j'ai mentionnées, mais au moins ce sera d'actualité. Donc on va voir avec les commentaires, bien évidemment. Ah, et c'est pas fini les mecs. Aujourd'hui, bah, c'était un leg day aussi pour moi. J'ai dû aller à la salle avec mon frérot Joe et j'ai travaillé les jambes, d'accord? Bon, les jambes, c'est pas une séance qui est très amusante pour moi. Ok, parce que j'aime pas ça, j'ai pas beaucoup de force dans les jambes, et les jambes c'est un gros point faible. Parce que moi en musculation, on va pas se mentir, hein, jamais eu, on va dire, l'envie de bosser et travailler les jambes. Là où j'ai vraiment eu l'envie, entre guillemets, l'envie de bosser mes jambes, c'était que voilà, les jambes c'est important. Quand tu prends conscience que les jambes c'est important pour le reste du corps, pour soulever un peu plus lourd et pour développer le reste de tes muscles, tu bosses tes jambes. D'accord, et c'est pour ça que j'ai commencé à bien travailler les jambes pour évoluer physiquement au niveau du haut du corps. Mais là, voilà, les jambes, je ne les faisais pas beaucoup. Mais j'ai repris un rythme, d'accord? Comme si ça fait 3 semaines. Je suis revenu, je fais des 100 jambes, et là, voilà, j'ai refait les jambes. J'ai fait 3 exercices avec le frérot, parce que voilà, les jambes, j'ai commencé par faire du leg extension à la machine. Franchement, très, très bonne machine. Moi, je fais un truc qui est très très bien. Je fais 10 répétitions avec une jambe, 10 répétitions avec l'autre jambe et 10 répétitions ou 15 répétitions avec les deux en même temps. J'aime bien faire ça en warm-up, d'accord? Histoire de me mettre bien, histoire de bien chauffer les jambes et de préparer les jambes au combat. Bien entendu, je peux faire parfois un superset comme mon frérot, il avait fait, où je fais ça plus des squats statiques, histoire de bien chauffer les jambes. Mais ça, je le fais après dans la salle CrossFit, d'accord? Je sais que mon frérot, il fait ça et juste après, il fait ses squats. Moi, j'ai préféré le faire avant les vrais squats, clairement. Et là, on a eu de la chance parce qu'on est arrivé dans la salle de CrossFit, mais il y avait des personnes qui utilisaient les barres de squat. Donc, on devait attendre. Et pour patienter, on a fait ça comme exo. On a fait des squats au kettlebell, d'accord? Donc, j'essaie de bien écarter les jambes. Un peu en sumo, mais en fait, c'est comme si j'étais en sumo, mais je n'étais pas en sumo, d'accord? Histoire de bien chauffer les ischios. Mon point faible, ok? Mes ischios, t'inquiète, je me prépare un truc bien sale pour mes ischios pour les rattraper. J'ai dû faire 4 séries de 10 répétitions,
repos, on tournait entre 1 minute, 1:30, histoire d'être bien, parce que voilà, la charge n'était pas lourde et on était à l'échauffement. Ensuite, bah, j'ai fait des squats, d'accord, squats à la barre. Alors, faut savoir une chose, après avoir regardé mon mouvement à la caméra, je me suis dit, putain, mes squats sont dégueulasses quand même, d'accord? Mes squats, ils sont horribles. Avant, ils étaient mieux gérés, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de squat. Sachant que le squat, je le remplace par beaucoup d'exos maintenant, je préfère le remplacer par que ce soit la presse, où je fais leg extension et leg curl, tu vois. Ça peut remplacer un squat pour moi. Parce que je me sais, le squat, quand même, c'est un mouvement dangereux, tu vois. Quand tu mets lourd, tu mets très lourd, si tu te blesses, c'est fini. Tu te fais mal au lombaire, c'est fini. Donc j'essaye de changer un peu mon squat, mais là je voulais en refaire. J'étais avec mon frérot, je me suis dit, bon allez, c'est parti. Mes mouvements, j'ai vu, ils étaient pas propres du tout. Là aussi, on a dû faire 4, 5 séries entre 8 et 10 répétitions. Au début, j'étais à 10 répétitions. Quand on a commencé avec les 100 kills, ouais, là j'ai mis 8 reps parce que ça me faisait mal, clairement. Juste après ça, on a fini notre séance par de la presse. Mais le gros problème, c'est que l'endroit où il y a la presse, il est sombre. Tu connais les salles on air fitness où je te filme de base, je te montre mes séances. Bah, quand je te montre mes séances, je suis dans les endroits où il y a la lumière. Mais la presse, elle est dans le noir total, d'accord? Ça veut dire que tu vas pas me voir, tu vas pas voir les poids, tu vas rien voir. Tu vas voir juste une lumière rouge au loin, tu vas dire, ah, c'est bon, on a on air. Et malheureusement, c'est un défaut, tu vois, c'est un défaut de cette salle. C'est que les espaces sombres, c'est bien, mais pour filmer, c'est compliqué. On a fait 4 séries à la presse, je sais que j'ai pas mis très très lourd. La presse, c'est une machine où j'ai pas de force du tout. Je sais que beaucoup de personnes ont la force à la presse. Moi, j'ai jamais réussi à avoir beaucoup de force à la presse. Peut-être que c'est un objectif que je vais me fixer plus tard, on verra. Mais pour l'instant, vas-y, c'est les jambes. Les jambes, voilà. Pour l'instant, moi, je bosse ce qui se voit, je suis dans l'esthétique. Je suis pas trop dans le jeu avoir des jambes énormes, juste avoir un corps proportionnel. Et on verra. Franchement, on verra plus tard. Ou si vous me chauffez, vous dites, bon, dame, c'est bon, on a bien rigolé avec les bras et les pecs. Fais les jambes, fais une série jambes. Hey, je le fais, je suis chaud, d'accord? Mais ça, il faut voir si tout le monde est chaud. Mais sinon, voilà, la séance s'est bien passée, tout s'est bien déroulé, j'ai pu faire les choses bien. On a bien commencé le début de semaine avec les jambes. Et là, ben, après, c'est des pecs et tout, ce qui va arriver, hein, d'accord? À partir de demain. Et là, désolé, je suis un peu speed parce que j'ai envie de reprendre des programmes de sport avec toi, d'accord? J'ai envie qu'on se rentraîne ensemble. C'est important. Beaucoup de personnes font mes vidéos, beaucoup de personnes font mes contenus depuis plusieurs mois et franchement, ça fait plaisir. Là, je ne dirais pas que, voilà, je ne savais pas que ça allait marcher, non. Quand j'ai vu que beaucoup de personnes suivaient les programmes que je faisais, je me suis fait, bon, on va en faire d'autres, d'accord? Ça marche, on va en refaire. Vous voulez vous entraîner avec moi? On va s'entraîner ensemble. Donc là, je me suis fait, dams, c'est bon, je me suis réveillé, je me suis fait, t'as du charbon à faire pour les gens qui te suivent. Donc on va faire ça bien. On va faire des séances pec, histoire d'avoir des bons pecs, des séances épaules, des séances bras. Et on va avancer, d'accord? C'est important. Et peut-être même refaire du PPL, d'accord? Du PPL beaucoup plus puissant. Et aussi des programmes à faire en salle. Par contre, les mecs, pour la salle de sport, j'ai bien envie de te faire une séance avec moi en salle de sport. Mais le problème, c'est que voilà, en salle de sport, il y a de la musique, il y a des gens qui passent. Si je te parle, ben en même temps que la musique, je serai copyright. Non, on va parler français, d'accord? En revenu YouTube, je ne fais pas beaucoup. Mais le copyright de la salle, il fait mal quand même, d'accord? Et moi, j'aimerais au moins monétiser ma vidéo. Moi qui ne demande pas d'argent pour les programmes. Donc voilà, il faut vraiment que je trouve une salle auquel je peux faire mes vidéos tranquillement afin de proposer des programmes gratuitement. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, d'accord? Parce que c'est en likant, c'est en vous abonnant, c'est en partageant les vidéos, c'est en ayant une communauté que je pourrais faire ça, que j'aurais le droit de faire ça, que j'aurais le droit de dire à la salle, bon écoutez, je suis connu, j'ai des vidéos à faire, ça vous fait de la pub, d'accord? Ça marche comme ça malheureusement. Mais t'inquiète pas, la chaîne elle monte avec les contenus qu'on fait, avec les engagements que vous me faites, merci beaucoup. Et on fera des programmes en salle ensemble, clairement. Et aussi, vu que j'ai parlé de programmes payants et tout à l'heure, quelque chose qui est important à rajouter par rapport à tout ça, beaucoup de personnes m'envoient des mails, d'accord? On m'envoie des mails pour me dire, bon, dames, voilà, je mesure tant, je pèse tant, je fais ci, ça, mon objectif, c'est ça. Tu peux me faire un programme, s'il te plaît, je te paye. Les mecs, je suis pas coach sportif, les mecs. Je suis pas un coach. Malheureusement, je suis pas coach diplômé, j'ai pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit, je le fais pas. Même
Des gens, ils me croisent à la salle, ils me demandent, je peux pas faire ça, d'accord? On peut s'entraîner ensemble, on peut rigoler. Je t'entraîne ensemble, je te demande pas d'argent, on fait juste une séance ensemble, on rigole tranquillement, mais je peux pas te demander de sous, d'accord? Je peux pas, j'ai pas le droit de le faire, malheureusement. Moi, à mon humble niveau, je suis juste une personne qui est passionnée de musculation, qui a fait de la musculation, qui a eu des résultats sur lui, enfin sur soi, et je transmets ce que j'ai appris, clairement. Je sais que dans certains conseils, bah ça peut être pas des bons conseils, parce que des coachs, ils vont contredire ce que j'ai, comme les coachs se contredisent tous, mais le plus important, c'est que je donne des conseils qui m'ont fait avancer, tu vois. Et moi, je veux que tu avances aussi. Parce que mon but à moi sur cette chaîne YouTube, c'est de te motiver, d'accord? De t'accompagner et de te prouver que tu n'as pas besoin d'un coach, d'accord? Mon but, c'est pas que je sois ton coach. Mon but, c'est de prouver que toi, tu n'as pas besoin de coach. Tu peux te lever tout seul et faire ta séance. Mais là, sinon, tu te lèves, tu as mes vidéos, tu fais ta séance. C'est bien. Mais mon but, c'est que tu sois autonome. C'est important. Bon, sur ces belles paroles, moi, je vais préparer le setup lumière au garage, à l'endroit où je te fais les vidéos programmes. Et on va te faire une vidéo, enfin une séance plutôt pectoraux. Si tout va bien, d'accord, je vais la faire ce soir. Bon, si tu aimais cette petite vidéo, mets un pouce bleu, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Et il me semble que dans le vlog où je fais les pains perdus, j'ai dit que c'est la 100 likes. Je te fais une vidéo recette où je mets un tablier et tout. Je vais le faire, d'accord? Il y a 100 likes, je vais le faire. Et n'oubliez pas, d'accord? S'il y a 100 likes et j'oublie, il faut m'harceler. Sur Instagram, je réponds à tout le monde. Faut m'harceler, il faut m'envoyer des messages. Ouais, dame, ça, là, c'est bon. Il y a 100 likes. Fais ta vidéo recette avec ton tablier. On veut voir ça. C'est important. Aussi, MyProtein, mon code dame est passé à moins 52%. D'accord? C'est incroyable. Même moi, j'ai fait une commande là. Et voilà, tu vois. Donc, si tu veux des compléments alimentaires et tout, j'en ai parlé. D'accord? Avant d'acheter des compléments alimentaires, regarde les vidéos que j'ai faites sur les compléments. C'est important. Ne prends pas n'importe quoi pour faire plaisir. D'accord? Ça, il faut le dire. Ok? Et puis voilà, hein, les mecs. Voilà. Hein. Abonne-toi si ce n'est pas fait. C'est important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk.